Re-bonjour à tous, je vais continuer la lecture de la Bible Crampon de l'abbé Auguste Crampon, 1923, rendu au psaume 111, ce qui est 110 pour la Vulgate. On parlera de l'éloge des œuvres divines. Et dans ce psaume, il y a différents noms pour chaque phrase du psaume. Donc, je vais lire les noms après le psaume qui ont participé à sa construction. Commençons. Psaume 111. Je veux louer Yahweh de tout mon cœur, dans la réunion des justes et dans l'assemblée. Grandes sont les œuvres de Yahweh. Recherchez toutes les délices qu'elles procurent. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé un souvenir de ses merveilles. Yahweh est miséricordieux et compatissant. Il a donné une nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient pour toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres, en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont vérité et justice. Tous ses commandements sont immuables, affermis pour l'éternité. Fait selon la vérité et la droiture, il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. La crainte de Yahweh est le commencement de la sagesse. Ceux-là sont vraiment intelligents qui observent sa loi. Sa louange demeure à jamais. Voici les noms qui ont construit chaque phrase du psaume 111. Aleph, Bet, Gimel, Dalet et Vav. Zain, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samek, Aim, Fe, Stadé, Kop, Resh, Shin, Tav. Maintenant, le psaume 112. Je vais faire pareil, je dirai les noms pour chaque phrase à la fin. Maintenant, on parlera de l'éloge du juste. Et pour la Vulgate, c'est psaume 111. Psaume 112. Alléluia. Heureux l'homme qui craint Yahweh, qui met toute sa joie à observer ses préceptes. Sa postérité sera puissante sur la terre. La race des justes sera bénie. Il a dans sa main maison, bien-être et richesse. Et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête. En justice, il fait prévaloir sa cause, car il ne sera jamais ébranlé. Le juste laissera une mémoire éternelle. Il ne craint pas les funestes nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en Yahweh. Son cœur est inébranlable. Il ne craint pas, jusqu'à ce qu'il voie ses ennemis abattus. Il sème le monde. Il donne à l'indigent. Sa justice subsiste à jamais. Sa corne s'élève avec gloire. Le méchant le voit et s'irrite. Il grince des dents et l'envie le consume. Le désir des méchants périra. Voici les noms qui ont aidé à construire le psaume qui est marqué à côté. Aleph, Bet, Guimel, Dalet et Vav,
Zaim, Het, Ted, Yod, Kaf, Lamed, Mem, Non, Samek, Aïm, Fi, Stadi, Yup, Rash, Shin, et Tav. Psaume 113. Et pour la Vulgate, c'est 112. On parlera au Dieu de gloire et de pitié. Alléluia. Louez, serviteur de Yahweh. Louez le nom de Yahweh. Que le nom de Yahweh soit béni, dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Loué soit le nom de Yahweh. Yahweh est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à Yahweh notre Dieu? Il siège dans les hauteurs et il regarde en bas, dans les cieux et sur la terre. Il relève les malheureux de la poussière. Il retire le pauvre du fumier pour les faire asseoir avec les princes de son peuple. Il donne une demeure à la stérile de la maison. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Alléluia. Psaume 114. Et pour la Vulgate, c'est 113, est un hymne pascal. Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire, Israël son domaine. La mer le vit et s'enfuit. Le Jourdain retourna en arrière. Les montagnes bondirent comme des béliers. Les collines comme des agneaux. Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir? Jourdain, pour retourner en arrière. Qu'avez-vous, montagne, pour bondir comme des béliers? Et vous, collines, comme des agneaux? Tremble, ô terre, devant la face du Seigneur, devant la face du Dieu de Jacob, qui change le rocher en étang, le roc en source d'eau. Psaume 115. Et pour la Vulgate, c'est 113b. Le psaume 14, c'était 113a. Donc, commençons 115. Non pas à nous. Yahweh, non pas à nous, mais à ton nom donne la gloire. À cause de ta bonté, à cause de ta fidélité, pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est dans le ciel, tout ce qu'il veut, il le fait. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont des narines et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Elles ont des pieds et ne marchent point. De leur gosier, elles ne font entendre aucun son. Qu'ils leur ressemblent ceux qui les font. Et quiconque se confie en elle. Israël met ta confiance en Yahweh. Il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, mets ta confiance en Yahweh. Il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez Yahweh, mettez votre confiance en Yahweh. Il est le secours et leur bouclier. Yahweh, c'est souvenu de nous, il bénira. Il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent Yahweh.
les petits avec les grands. Que Yahweh multiplie sur vous ses faveurs, sur vous et sur vos enfants. Soyez bénis de Yahweh qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de Yahweh, mais il a donné la terre aux fils de l'homme. Ce ne sont pas les morts qui louent Yahweh, ceux qui descendent dans le lieu du silence, mais nous, nous bénirons Yahweh dès maintenant et à jamais. Alléluia. Pour le psaume 116, la Vulgate, c'est comme 114 à 115, et c'est une action de grâce. Je l'aime, car Yahweh entend ma voix, mes supplications, car il a incliné vers moi son oreille. Et toute ma vie, je l'invoquerai. Les liens de la mort m'entouraient et les angoisses du Kéol m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à l'affliction. Et j'ai invoqué le nom de Yahweh. Yahweh, sauve mon âme. Yahweh, miséricordieux et juste, notre Dieu est compatissant. Yahweh, garde les faibles. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos, car Yahweh te comble de bien. Oui, tu as sauvé mon âme de la mort, mon œil des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai encore devant Yahweh, dans la terre des vivants. J'ai confiance alors même que je dis. Je suis malheureux à l'excès. Je disais dans mon abattement, tout homme est menteur. Que rendrai-je à Yahweh pour tous ses bienfaits à mon égard? J'élèverai la coupe du salut et j'invoquerai le nom de Yahweh. J'accomplirai mes vœux envers Yahweh, en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de Yahweh. La mort de ses fidèles. Ah, Yahweh, parce que je suis ton serviteur, fils de ta servante, tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de Yahweh. J'accomplirai mes vœux envers Yahweh, en présence de tout son peuple. Dans les parvis de la maison de Yahweh, dans ton enceinte, Jérusalem. Alléluia. Psaume 117, qui est 116 pour la Vulgate. C'est un appel à la louange. Nation, louez tout Yahweh, peuple, célébrez-le tous, car sa bonté pour nous est grande. Et la vérité de Yahweh subsiste à jamais. Ce serait tout pour cette vidéo. La prochaine fois, on parlera du psaume. On commencera avec le psaume 118, qui est 117 pour la Vulgate. Et on parlera de la liturgie pour la fête des tentes. Et pour le 119, on parlera de l'éloge de la loi divine. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union de prière.